Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Dessin d'art. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un œil. Hello, I'm Guillaume. Welcome on my channel Dessin d'art. Today, we will learn how to draw an eye. Je commence par ancrer l'extérieur de la pupille en violet. I begin in inking the outside of the pupil in purple. Puis l'intérieur en vert très clair. Then the inside in very clear green. Et je finis toujours par le noir. And I was always finished by the black. Je protège la partie de l'œil avec un film de protection et je peins à l'aérographe la partie externe de l'œil. I protect the part of the eye with a protective film and I paint in the airbrush the external part of the eyes. Je lisse avec un stylo noir et je commence par faire de petits traits de crayon de couleur bleu foncé, violet, bleu clair, rose et je marque les autres traits avec les marqueurs de même couleur. I smooth with the black pen and I begin by making of the pink, dark blue, purple, light blue, color line, small line of the pencil. And I stand out the other one small line with the marker of the same color. Purple, violet, blue, dark blue, bleu foncé, green, vert, light green, vert clair, bleu clair, bleu clair, très clair, light blue, light very blue, dark blue, green, tea green, verté, light black, du noir léger, fais des petits points, I make a point. Second layer of green, seconde couche de vert, mauve, pink, un rose foncé, un rose clair, light pink, white, du blanc, blue, different blue light, différent bleu noir léger, clair. Un bleu de Prusse, Prusse blue, un vert bleu, green blue, for the up of eyes, pour le haut de l'œil, un olive vert, teal. Un kaki, yellow 3 to 3 pour l'intérieur de l'œil, black ivory, noir ivoire, très important. Un
and I make a line, and again line, little line. Et je fais des petites lignes, des petites lignes, des petits traits. Je nuance. I blend with the white or blue. White paint, le stylo blanc. Je délimite et je repasserai avec l'encre blanche pour marquer un peu plus. I redraw with a ink paint brush. After. Purple. I make a seal. Je fais les cils. Je repeins en noir, seconde couche, seconde layer of black. White pen, stylo blanc. White ink with pencil, with brush. L'encre blanche avec le pinceau. Touch, je retouche un peu. Un brown, du marron. Yellow, du jaune. Rouge léger, marqueur rouge léger, marqueur lighter rose, pink, and purple very light, et un violet très très léger, orange light, un orange très léger, couleur chair, blue very light. I delimited with the pencil white pencil, je délimite avec le pinceau blanc. Et là, c'est un gris sand. Gray, very light. Alors, sur cette partie-là, je vais utiliser l'aréographe pour le blanc de l'œil. For this part, I use the airbrush. But for the right part, I don't use the airbrush for the white part of the eyes. Du côté droit, j'utiliserai pas le. Pour ceux qui n'ont pas d'aréographe, j'utiliserai pas d'aréographe pour la partie blanche de l'œil. Alors, c'est du carmin et du bordeaux pour refaire ressortir les veines de l'œil. I use the carmine and the bordeaux. For the blood of the eyes part, queen of the eyes. White airbrush, bon le aérographe contre blanche. Là c'est du beige. For the shadow, I use
gray, dark gray and beige. Light blue, bleu clair. Ah, carmine et bordeaux pour le coin de l'œil. Carmine et bordeaux pour le coin of eyes. I make a seal. Je fais les cils. Open bright pour style noir. J'utilise le carmin pour faire les veines. Pour the blood of the eye, I use the carmine. It's very light, but yeah. Light yellow, jaune très clair pour certaines parties de l'œil. Un retouch, je retouche. Alors c'est du bleu et du violet très clair. The blue light et purple very light. Ink and diluted with water for the border of the white, the part white. Alors c'est de l'encre blanche pour et que je dilue de plus en plus avec de l'eau pour diluer pour nuancer. Toujours du bordeaux, du carmin. Un peu de rouge vif. Sometimes I use the purple, the carmine, bordeaux and the red écarlate. The blue with the carmine. Voilà. Now you have draw the eyes. You can see the rest of the eyes. Maybe I make a new tutorial for ce part 3. Alors je ferai peut-être une vidéo tutoriel si elle la demande pour l'autre partie extérieure de l'œil, quoi. C'est un peu plus simple. Ça dépend quel œil vous faites, quel type d'œil vous voulez faire. Là, je l'ai fait maquiller avec beaucoup de paillettes. Voilà. Donc, je vous laisse travailler et je vous dis à la prochaine fois. I see you soon for the new video tutorial of my speed draw video on my channel. Bye bye and good luck. Bonne chance et à la prochaine.